Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo focus qui cette fois sera consacrée aux livres. Ce sont des livres sur le cinéma horrifique que j'ai lu récemment, que j'ai trouvé intéressant et que j'avais envie de partager avec vous. Ces livres viennent de deux maisons d'édition en particulier. Il y a certains livres qui m'ont été envoyés par les éditeurs et d'ailleurs je les remercie encore une fois. D'autres livres que j'ai achetés par moi-même et d'autres livres que des amis m'ont offerts. Je m'excuse par avance de ma voix qui risque de partir en sucette parce que je suis encore malade. En premier, aux éditions Ocré, qui est une maison d'édition qui a été fondée en 2013, qui est basée dans les Alpes-Maritimes. C'est une maison d'édition qui édite un petit peu tout type d'ouvrages. Ils éditent des romans, des nouvelles, des essais, quelques livres à propos du cinéma, mais ce n'est pas leur spécialité. Les éditeurs m'avaient envoyé le livre Zombies, des visages et des figures, dimension sociale et politique des morts-vivants au cinéma. C'est écrit par Erwan Barguin, qui est un spécialiste du cinéma fantastique et qui écrit d'ailleurs pour la revue L'écran fantastique. Il va analyser tout le genre du zombie à travers cet aspect sociétal et politique. Toute la première partie du livre va être consacrée à l'œuvre de George Romero, qui considérait lui-même que ces films de zombies étaient des clichés instantanés de la société américaine. Donc on va passer par tout ce qui est racisme, peur de l'autre, individualisme, société de consommation, etc. Puis dans la deuxième partie, il va analyser les films au cas par cas. Il va passer par des films plus ou moins connus. D'ailleurs, il y a certains films que j'ai découverts grâce à lui. Donc il va parler par exemple de Shaun of the Dead, de Rec, du plus récent Cargo. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant et ce qui m'a plutôt surpris, c'est qu'en fait le livre date d'octobre 2020. Ce qui fait que le Covid faisait déjà partie de l'équation et donc il en parle dans la conclusion. C'est assez bizarre à lire finalement. Et on se rend compte avec ça que le zombie a encore de très beaux jours devant lui au cinéma. Suite à ma première lecture, j'avais acheté le livre Les Slashers ou la pureté cinématographique qui a été écrit par Jérémy Belando et qui va donc analyser le sous-genre du slasher. Il faut savoir que l'auteur a l'air d'être un fan hardcore du Halloween de John Carpenter de 1978. Donc en fait, tout son jugement et tout son classement des films va se faire selon ce film-là. Et lui, il considère que dans le slasher, il y a deux types différents de slasher, le slasher pur et le slasher impur. Ce qu'il considère comme pur, ce sont les films comme Halloween et Les Descendants d'Halloween de John Carpenter. Ce sont des films qui ont une narration simple et qui ont vraiment ces deux figures emblématiques de la Final Girl comme Laurie Strode et du Boogeyman comme Michael Myers, qui a une dimension un petit peu fantastique, voire même mythologique à certains moments. Et ce qu'il considère comme les slashers impurs, ce sont des films à la narration plus complexe, à la nature un peu plus violente, voire même extrême selon lui, qui seraient Les Descendants de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, qui est sorti en 1974. Alors, j'adhère pas forcément à la vision des choses qu'a l'auteur, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre sur ce sous-genre qui est quand même assez populaire. Il va sur des films qui sont quand même assez récents, après il ne prend pas en compte tout ce qui est remake, suite, qui sont sortis bien longtemps après, etc. Je pense que dans les films les plus récents, il va y avoir Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino, la saga des Destinations Finales, et je crois que ça s'arrête là, je pense pas qu'il y ait des films après 2010. Ensuite, aux éditions Rouge Profond, qui est une maison d'édition qui a été fondée en 2008, qui est basée à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. On m'avait offert pour mon anniversaire le livre Martyr, la mélancolie du chaos, qui est écrit par Frédéric Astruc. Je suis fan de Pascal Laugier, je suis fan de son second long métrage Martyr qui était sorti en 2008. Le livre est d'ailleurs sorti en 2018 à l'occasion du 10e anniversaire du film. En général, je ne suis pas une fan de tout ce qui est suranalyse pour les films. Voilà, j'aime bien qu'on analyse le film, mais pas forcément qu'on rentre dans tous les détails, dans toutes les symboliques, etc. Sauf qu'ici, je pense que c'est un travail qui est quand même nécessaire parce que le film Martyr, c'est un film qui est très particulier dans le paysage cinématographique français et dans le cinéma d'horreur. Et vraiment, c'est un film qui est tellement particulier qu'il faut pas juste se contenter de le regarder. C'est un film qu'il faut vraiment essayer de comprendre, d'analyser, de mûrir, de laisser décanter. Parfois, c'est typiquement le genre de film où on va mettre énormément de temps entre deux visionnages. Et ici, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de voir en fait quelles ont été les inspirations de Pascal Laugier, quelle est la représentation de l'horreur dans Martyr, quel est le rapport que l'on peut avoir au personnage. Et en deuxième partie, on va avoir un long entretien qui a été réalisé par l'auteur avec Pascal Laugier lui-même, où il va revenir en fait sur toute sa formation de réalisateur, de sa notion de la cinéphilie. Quels films l'ont inspiré, quelles sont les images parfois qui l'ont inspiré pour réaliser le film Martyr. J'ai trouvé ça vraiment captivant, donc si comme moi vous êtes fan du travail de Pascal Laugier et de Martyr, je ne peux que vous conseiller de le lire. Toujours chez Rouge Profond, cette fois c'est l'éditeur qui me l'a envoyé, il s'agit du livre Torture Porn, l'horreur postmoderne qui a été écrit par Pascal Français. C'est un bon gros livre, hein. Faut bien aimer la lecture parce qu'en plus dans celui-là il n'y a
pas d'illustration, mais c'est un livre que j'ai trouvé vraiment captivant parce que le torture porn, c'est un genre qui est bien souvent dénigré, c'est un genre qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est un genre qui est vraiment majeur selon moi dans l'histoire du cinéma d'horreur. Et ici, l'auteur va nous expliquer quelles sont en fait les origines du torture porn. Donc, il va passer par tout ce qui est des vidéos nasty qui étaient des films d'horreur considérés comme extrêmes, notamment dans les années 80. Ce sont des films qui ont été extrêmement censurés, qui parfois même étaient interdits dans certains pays, comme par exemple Massacre à la tronçonneuse qui a été interdit pendant de très nombreuses années au Royaume-Uni. Il va revenir sur la création du terme torture porn qui a été faite par un journaliste en 2006 suite à la sortie du film Hostel d'Eliros. Ensuite, il va analyser en profondeur la saga Saw puis la saga Hostel parce que ce sont les deux figures majeures du torture porn. Et après, dans la deuxième partie, en fait, il va analyser des films par catégorie, en fait, par thème, et à chaque fois il va sortir un film plus ou moins majeur par catégorie. Donc, par exemple, dans ce qu'il considère comme l'horreur grotesque, ça va être The Human Centipede, ou dans le thème La guerre des sexes, ça va être le film The Woman. Et dans le tout dernier chapitre, j'étais assez contente parce qu'il parle du film Serbian Film, parce que voilà, la fin est consacrée au film vraiment extrême. Et j'étais vraiment contente parce que l'analyse de l'auteur se rapproche énormément de l'analyse que j'avais pu faire de Serbian Film, qui est un film que je défends depuis de très nombreuses années, même si ce n'est pas mon film favori. Mais ce livre-là prouve bien qu'il faut aller au-delà des images, qu'il faut aller au-delà de ce qu'on voit au premier abord et que parfois, sous un aspect très violent, sous un aspect très sanglant, le réalisateur peut avoir un message vraiment important à nous faire passer. Et je trouve qu'avec ce livre-là, c'est vraiment de très bonnes pistes de réflexion. Je vous le conseille vivement, même si vous n'êtes pas spécialement fan de ce sous-genre-là en particulier. Je suis sûre qu'en plus, vous êtes allé apprendre plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai découvert que La Passion du Christ de Mel Gibson était considérée comme un torture porn. Et pour finir, aux éditions Rouge Profond, l'éditeur m'a également envoyé le livre Le Miroir Obscur, une histoire du cinéma des vampires, qui est écrit par Stéphane de Ménildo, qui va retracer donc toute l'histoire de la figure du vampire au cinéma. L'auteur considère que c'est l'art privilégié de cette créature emblématique du cinéma. Il va donc retracer toute son histoire à travers 13 films qu'il considère comme étant majeurs. Ça va passer de Nosferatu de 1922 au Dracula de Francis Ford Coppola en 92, par des films un peu plus récents comme par exemple Morse. Et en fait, à travers ces petites analyses qui sont quand même relativement courtes, mais qui par contre sont hyper bien illustrées, celui-là est vraiment joli de livre. Il va croiser en fait les références de chaque film avec d'autres films de vampires qui ont été faits à chaque fois. Il va vraiment les analyser selon l'époque à laquelle ils ont été faits, et il va vraiment nous montrer qu'en fait le vampire reflète à chaque fois les peurs et les préoccupations d'une époque. Donc un vampire des années 70 est complètement différent d'un vampire des années 20 ou d'un vampire des années 2010. Si vous êtes passionné de vampires et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, je vous le conseille également. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette sélection de livres vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains livres qui vous tentent en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !